achète des beaux vieux habits neufs. Je suis un bon de bonne famille. Quand je vois sa main, je mange des guettés. Et quand je fonce vers la lune, c'est bien assis en Volkswagen avec ma brune. J'aurais trop peur sur un chopper avec Aline pourvu que ça pine, avec Thérèse fraise contre fraise. Faut pas que ça niaise. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Si j'avais des lumières sur mon bail, je partirais pour Québec. Si j'avais plus de gasoline, je monterais toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, j'allumerai les lumières pour ma vue. Et je roulerai dans la nuit. So when the twilight falls on the heights, I will light my lights for my sight. Et je roulerai dans la nuit en rechantant ces jolies mélodies. J'ai passé de belles nuits à Québec en te caressant avec des beaux becs. J'ai passé une belle nuit à Ottawa en te caressant, en tenant dans mes bois. J'ai passé une belle nuit à Toronto. Mais si je me rappelle bien, ça fermait un petit peu trop tôt. Bonsoir et bienvenue à la 48e édition du Festival international de la chanson de Grimbé, présenté par Rouge FM. Ce soir, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous présentons la 6e édition du spectacle Jamais trop tôt, en collaboration avec le Réseau national des galas de la chanson. Cette soirée est une présentation d'Hydro-Québec en collaboration avec l'Aubainerie. Au courant de la dernière année scolaire, 617 textes ont été écrits dans le cadre de Jamais trop tôt par de jeunes Canadiens âgés de 14 à 17 ans. Ce soir, vous entendrez les 24 meilleures chansons interprétées par des jeunes adolescents sélectionnés à travers l'ensemble du Canada. Mais tout d'abord, prenez deux minutes pour éteindre votre téléphone cellulaire et pour identifier les sorties de secours. Celles-ci sont situées à l'avant et à l'arrière de la salle, et ce, de chaque côté. Nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer, de manger ou de boire dans la salle. Et maintenant, place au spectacle. Hey, c'est le fun, gang! C'est ici qu'on va pratiquer pour le show. J'ai tellement hâte de voir la gang cette année, là. Est-ce que vous vous rappelez la première année? On comprenait pas trop c'était quoi le concept de Jamais trop tôt. Ouais, c'est vrai. Ben, je comprends, mais je sais pas si je serais vraiment à l'aise d'expliquer aux nouveaux c'est quoi exactement. Ben, au pire, ils demanderont à Pierre Fortier, hein. Après tout, c'est lui le concepteur. Bonsoir. En 2011, afin de raviver l'intérêt pour la langue française auprès de notre jeunesse francophone, qui tournait de plus en plus vers un univers numérique anglophone, le Festival a mis sur pied un projet d'écriture de textes de chansons dans les écoles secondaires de la région. Cette année-là, en 2011, 36 textes avaient été écrits et on les avait fait mettre en musique par des anciens participants du Festival de la chanson de Grimbé. Ça faisait 18 chansons. Et ça a été présenté dans le chapiteau, le petit chapiteau qui était à côté au stationnement de Johnson, tout près. Ensuite, le projet Jamais trop tôt s'est développé comme une traînée de poudre grâce à la collaboration inestimable du Réseau national des galas de la chanson et de ses membres. Conséquence, cette année, 617 textes ont été écrits dans 9 provinces canadiennes, de Vancouver à Halifax en passant par Sudbury. Les 24 meilleurs textes ont été mis en musique par des demi-finalistes de Grimbé et des gens qui sont issus du Réseau national des galas de la chanson. Donc, 24 textes mis en musique, ça fait 24 chansons. Il fallait trouver des interprètes. Grâce à nos 40 collaborateurs au Canada, nous avons déniché 12 interprètes dans la francophonie canadienne. À cela s'est ajouté 12 du Québec.
Ils nous proviennent de Beaumont en Alberta, de Vancouver, de Pointe-Brûlée au Nouveau-Brunswick, de Québec, de Gravelbourg en Saskatchewan, de partout au Canada. Il y en a même de Montréal. Ce soir, vous verrez le résultat d'une année de travail dans la francophonie canadienne. Un travail appuyé par Patrimoine canadien, par nos commanditaires comme Hydro-Québec et Rouge FM, et grâce aussi à l'appui fidèle du leader du gouvernement et du ministre responsable des relations canadiennes de la francophonie canadienne, M. le ministre Jean-Marc Fournier. Je l'invite à prendre la parole immédiatement, M. le ministre Jean-Marc Fournier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur Fortier, merci. Monsieur Fortier, en 2011, a décidé qu'il n'était pas trop tard pour dire qu'il n'était pas trop tôt non plus. Et il a décidé de lancer une initiative formidable. Et ce soir, dans le fond, c'est la jeunesse francophone du Canada qui nous fait un cadeau. Elle nous offre ses voix et elle nous offre ses mots. Et je crois pouvoir dire que c'est plus qu'une manifestation culturelle à laquelle nous allons assister ce soir. C'est une découverte d'artistes d'abord, mais en même temps, une découverte de l'espace francophone. Et je vous invite à écouter le spectacle en fermant vos yeux et en vous rappelant que cette langue a découverte, a nommé, a fondé cet espace. Cette langue, elle est encore vivante et elle est forte. Cette langue prend sa place et ce soir, elle nous fait un grand cadeau. Bonne soirée.
groupe. Salut, je nous présente. Voici Juliette. Moi, c'est Julien. Salut, moi, c'est Marianne. On se permet de prendre la parole parce que Julien, c'est sa troisième année à Jamais Trop Tôt. Puis Juliette et moi, c'est notre deuxième année. Puis comme on connaît Isabelle, la coach vocale, puis Andréane, la metteur en scène, puis qu'elles ne sont pas encore arrivées, on sait qu'elles aiment les gens proactifs, donc on a décidé de prendre les présents. Ça sera déjà ça de fait. Parfait. Fait qu'on va commencer avec le monde du Québec. Ouais. Du Nouveau-Brunswick. C'est. Ouais. Hey, moi, je viens du Nouveau-Brunswick aussi. Frank Cajot. Je viens du Kodok au Nouveau-Brunswick. Ma mère m'a tout le temps dit que j'étais fou comme un balai. Je suis devenu concierge. OK. Il du Prince-Édouard. Yeah. Nouvelle-Écosse. Ontario. Allô. Allô. Manitoba. Bonjour. Saskatchewan. Yeah. Alberta. Uh-huh. Et Colombie-Britannique. Salut. Merveilleux, toute la gang est là, vous allez voir, on va avoir du fun, puis on va monter un show de malade. Oh, oh, oh. Dans une minute, là, vous allez monter un spectacle, là, là. C'est qui, lui? Voyons, vous connaissez pas, Frank Cajot. Je suis un des premiers à avoir passé les auditions au Festival international de Granby, longtemps passé. The Singing Concierge. Vous me connaissez pas? Regarde, voulez-vous que je vous en fasse un bout? Non! Ben, si vous insistez. C'est que je voulais faire un hommage aux grands-parents, OK? Parce que dans chacune des places, on nomme pas ça de la même manière. Regardez, écoutez ça. C'est... En Acadie, on dit pépère. En québécois, c'est grand-papa. À Paris, ben, c'est papy. Puis les Anglais, well, it's grandpa. Puis les Anglais, well, it's grandpa. C'est parce qu'ils marchent plus vite que nous autres, ils font des grandpa. Des grimpeurs! J'ai pas été retenu. Comprends pas? C'est parce qu'il y avait du monde d'important dans la salle, puis j'ai figé. Les jeunes, si vous montez un spectacle, j'ai un conseil pour vous autres. On sait jamais qui est dans la salle. Hey, s'il y a pour avoir du monde important dans la salle, du monde qui a le pouvoir de changer les choses, mais là, on devrait passer le message. Hey, c'est une excellente idée, ça, puis... Tu voudrais parler de quoi? De politique. T'es en train de l'humanité, culture et des molles. Manufacture masquée, intelligence et pensée molle. Défendre leurs idées, l'importance c'est à l'action, c'est maintenant la révolution. Ils se décident à parler, à défendre leurs idées, l'importance c'est à l'action, c'est maintenant la révolution. Marionnette dans ses ficelles, gesticule avec ridicule. Marionnette dans ses ficelles, une cage de velours sans cellule. Marionnette. Yeah.
révolution. Des vérités arrangées, on pourrait faire l'éloge de la naïveté. Si ce n'était des mensonges, des vérités arrangées, on pourrait faire l'éloge de la naïveté. Si ce n'était du business, l'essence des conflits d'intérêts, des trafics d'influence, fini la pollution, financer une fondation. Si ce n'était des promesses, des politiciens commandites pour devin des enveloppes de main à main, réparer les autoroutes, plus ni de poule quand on roule, baisser les impôts, prolonger le métro, des emplois pour tous, plus d'enfants qui toussent, la santé à tout prix, les médicaments gratuits. Si ce n'était des mensonges, des vérités arrangées, on pourrait faire l'éloge de la naïveté. Si ce n'était des mensonges, des vérités arrangées, on pourrait faire l'éloge de la naïveté. Si ce n'était du business, la science, des conflits d'intérêts, des trafics d'influence, fini la pollution, financer une fondation. OGM sans danger, les rapports traficotés, des recherches qui défendent cigarettes et pesticides, le pétrole, les charmants, ah ouais, dans le génocide ou qui tourne en dérision la question climatique. Et pourtant avant on croyait facilement, maintenant on est grand, mais c'est les conscients, on s'en fait moins passer, on est plus éduqués. Heureusement il y a les mensonges blancs qui nous font. Ben, ça pourrait être pire. Notre nation pourrait être gouvernée par un président aussi douteux que son toupette. Que dire d'un étrange milliardaire qui se pense maître de l'univers? Le monde nous prend pour un des pics, mais c'est un joker politique. Qui avait longuement lutté pour la paix et l'égalité. Voilà que j'ai vu son démodé, sont sur le point de tout gâcher. Sont sur le point de tout gâcher. Réveillez-vous, osez parler de ce monstre qui vous enrage. Revenez à la réalité. Cette bête vous mènera au naufrage. Il crache des préjugés sexistes à l'endroit d'une journaliste. Un défenseur controversé de tous vos droits et libertés.
cette figure de divertissement a plutôt des airs de tyran. Avec ses douteux arguments, peux-tu prétendre être président? Peux-tu prétendre être président? Réveillez-vous et parlez de ce monstre qui vous enrage. Revenez à la réalité, cette bête. Ah. Les gens trompés passent à fortune, courent tout droit à l'infortune. Si ça gagne en des élections, il y aura des murs en nos nations. Il a le tour de diviser avec ses propos non fondés. Tous ses discours attisent la foule réactionnaire. Ce défaut. Qui peut bien voter pour lui, qui s'intéresse à ce qu'il dit. Le rêve américain est mort, celui qui a jeté le sort. Voter pour cet énergumène, voilà un méchant phénomène. Un beau parleur, perturbateur, en somme un oiseau de malheur. En somme un oiseau de malheur. En somme un oiseau de malheur. Réveillez-vous et parlez de ce monstre qui vous enrage. Revenez à la réalité, cette bête vous mènera au naufrage. Réveillez-vous et parlez de ce monstre qui vous enrage. Revenez à la réalité, cette bête vous mènera au naufrage. Vous mènera au naufrage. Finalement, on n'est pas conscient de la chance qu'on a au Canada. Faut reconnaître nos bienfaits, dont on profite jusqu'à l'excès. Libre choix, l'éducation, la liberté d'expression. On a mangé à boire, on a un toit et le confort. On a les loisirs et l'espoir, puis nous habitons sur notre sort. J'ai faim de justice et de paix. J'ai faim d'équité. De respect, de charité, d'égalité, affamée de nouveautés, de progrès, d'entraide et de connivence, de valeur et de sens. Grâce à l'accès et à l'information, on est des citoyens avisés. On a les services de santé, la science et ses avancées. Notre pays n'est pas en guerre, tandis que d'autres vivent l'enfer. Nous avons le pouvoir d'agir, alors arrêtons de fuir. Justice et de paix. J'ai faim d'équité et de respect. Charité, d'égalité, affamée de nouveautés, de progrès, d'entraide et de connivence, de valeur et de sens. Oh,
disent que d'autres vivent l'enfer. Nous avons le pouvoir d'agir. Alors arrêtons de fuir. J'ai faim, j'ai faim de justice et de paix. J'ai faim, j'ai faim d'équité et de respect, de charité, d'égalité, affamée de nouveauté, de progrès, d'entraide et de connivence, de valeur et de sens, de valeur et de sens. C'est vrai qu'on est chanceux au Canada. On n'a pas de couvre-feu. Il n'y a pas de bombes qui tombent sur nos maisons. Nos enfants vont à l'école, pas à la guerre. Mon village est détruit comme un château de sable. Sous le pied de l'ennemi, l'atmosphère est instable. Les hommes chargés de haine se mitraillent des insultes. Les enfants chargés de peine s'enrôlent au jeu d'adultes. Et le sombre cimetière que les hommes cultivent est un jardin de prière pour ceux qui survivent. C'est pourquoi je vous écris avec toutes mes munitions. Au lieu de prendre un fusil, j'ai osé prendre un crayon. C'est pourquoi je vous écris. Nos avenirs incertains, au lieu de prendre nos vies, osez prendre nos mains. Je ne vis pas ma jeunesse, je vieillis avant l'âge. Je me vide de tristesse et veux exploser ma rage. Nous devons croire en l'homme, nous sommes tous des enfants. Qu'à jamais mes mots résonnent au cœur de chaque continent. C'est pourquoi je vous écris avec toutes mes. Au lieu de prendre un fusil, j'ai osé prendre un crayon. C'est pourquoi je vous écris. Nos avenirs incertains, au lieu de prendre nos vies, osez prendre nos toutes mes munitions. Au lieu de prendre un fusil, j'ai osé prendre un crayon. Et c'est pourquoi je vous écris.
sont dans la noirceur, les mains jointes par des heures, liées par émotion, ayant la même réflexion. Ils sont deux, mais ils ne font qu'un. Être jumeaux, ce n'est pas très commun. Ni un ni l'autre, sans un sans l'autre, malgré les années, rien ne peut séparer. Ni un ni l'autre, sans un sans l'autre, sans un sans l'autre. Ils combattent leur faiblesse avec l'amour qu'ils connaissent. Ils partagent leur peine, le même sang coule dans leurs veines. Ni un ni l'autre, sans un sans l'autre, malgré les années, rien ne peut séparer. Un spectacle parce que vous êtes bon. Vous savez, vous vivez les plus belles années de votre vie, hein? L'adolescence, c'est la liberté. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais jeune avec ma mère, tu sais, nous autres, on n'avait pas de jeux vidéo. On n'avait pas des oui chez nous. Nous autres, c'était non, 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 non. Envoyez dehors. On passait notre temps dehors. Puis je me rappelle, j'avais un bicycle, un BMX, puis on avait fait une rampe, puis on l'avait mis à 2-3 pieds de la clôture, puis on était dans le haut de la butte, puis on essayait de sauter, puis pas rentrer dans la clôture. Je me rappelle, c'est moi qui étais le premier à passer parce que j'avais un porte-but à roche, papier, ciseaux. J'ai jamais compris ce jeu-là. Tu te fais aller le bras, puis tu perds tout le temps. Fait que là, je suis en haut, puis là, je vois la rampe en bas, mes chums sont là, puis tout ce que je me dis dans ma tête, c'est « manque pas la rampe ». Manque pas la rampe, là je décolle, manque pas la rampe, 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 manque pas la rampe. Dès que je vais vous pogner la rampe, ma chaîne de bicycle débarque. Hey, j'ai tapé la rampe, là j'étais dans le ciel, j'ai vu ma vie passer devant moi, puis ma chaîne de bicycle. Puis j'ai rentré dans la clôture, bang! Il n'y a personne qui m'avait dit qu'elle était électrique. Toutes les lumières de la paroisse ont dimé. Hey, ça a senti le barbecue pour 2 semaines. Mais c'était le meilleur temps de ma vie. L'adolescence, c'est le meilleur moment. Ouais, mais l'adolescence, c'est pas si facile que ça. Hein? C'est le temps où tu te bâtis, où tu décides de qui tu veux devenir. C'est là que t'es le plus influençable. C'est bien trop de pression. C'est de ça qu'on devrait parler dans le show. On te pense tout le temps qu'on se lamente trop souvent.
Mais c'est le temps dur avec beaucoup de changements. Bon, ben, en parlant de changements, je vais aller changer mon eau, mais je vous watch. Qu'est-ce que t'en penses?
bataille. Mais c'est tout ce que je fais, ouais, je m'en caille. Dans le salon, je veille de minuit et je fais que des volets. Je suis fatiguée, je suis déracinée. Je pars en voyage, découvrir mon destin. Je défais mes bagages pour un pays lointain. J'entre dans mon auto, je boucle ma ceinture. Il fait beau, il fait chaud. Je rêve d'aventure. Oh, 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 oh. Je nous imagine comme dans le temps. On lançait des promesses au vent. J'ai suivi la map. C'était une mauvaise idée. Ce n'était que du stress, mais j'ai continué. J'ai cherché une plage, j'ai trouvé une forêt. Au milieu d'un orage, j'ai changé de trajet. Oh, 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 oh. La tempête s'affole dans mon cœur. Je nous imagine comme dans le temps. On lançait des promesses au vent. Retourner à la maison, y a rien qui a changé. Partir en voyage était une très mauvaise idée. Oh, oh, oh. Je sais que tu ne me vois pas. Je suis prise sous terre. Je cherche des plus beaux de moi. Je commence à manquer d'air.
Le temps avance et je ne me vois plus. Je ne sais pas trop quand j'ai disparu. Imparfait, effacillant, coincé dans une ombre suffocante. Entre ce que je suis et ce que je pourrais être, je sens des attentes m'étouffer. Fais mieux, fais plus ou bien arrête. On ne m'a jamais dit tu es assez. Le temps avance et je ne me vois plus. Je ne sais pas trop quand j'ai disparu. Imparfaite, effacillante, coincée dans une ombre suffocante. Pas assez haut, mais plus haut que moi-même. Pas assez loin, mais déjà perdu. Entre la haine et ses blasphèmes, j'ai déjà l'air d'une âme vaincue. Le temps avance et je ne me vois plus. Je ne sais pas trop quand j'ai disparu. Imparfait, effacillante, coincée dans une ombre suffocante. Parfaite, mais suffisante, affranchie dans cette lumière ardente. Imparfaite, mais suffisante, affranchie dans cette lumière ardente. J'ai trouvé les cartons de l'animateur, en faisant le ménage en arrière, les cartons de l'animateur. Hey, c'est toute une job, ça, l'animateur. Regarde-moi ça, il y a des mots, puis tout, des verbes, des compléments. Hey, OK, bon, regarde, je m'essaye, OK? Je suis bien boosté, bien raide. Bon, carton de l'animateur. Bon, ça ben, je ne devrais pas lire ça, c'est juste, c'est écrit en haut, carton de l'animateur. Le jeudi 25 août. Blé ouvrira la soirée à 19h30 et sera suivi de la production originale du festival 30 succès 16 voix qui réunira 16 grandes voix qui interpréteront 30 des plus grands succès de la chanson francophone. Des longues phrases, ça, il y a un point là. Si vous voulez entendre des reprises telles que « Jean Batailleur »,« Aimes-tu la vie »,« Les cactus »,« Si tu n'existais pas » de Joe Dassin, « Juste pour voir le monde de la chicane », etc., etc. Ça, je connais pas ça, etc. Ça doit être. Isabelle Boulay, Mario Pelcha, les Sœurs Boulay, Boum Desjardins, Michel Rivard, King Melrose, Caroline Savoie, Wilfred Leboutillier, en tout 16 interprètes de haut niveau sont actuellement en train de répéter ce spectacle sous la direction artistique de Pierre Fortier.
lui, je le connais. Le vendredi 26 août, toujours au parc Daniel Johnson, Mordicus réchauffera la foule pour préparer le grand retour de Marjo. Marjo, hein, moi, je la connais personnellement. J'ai grandi avec. Quand t'en connais comme moi, tu l'appelles Marjolaine. Seigneur, ça, c'est une animation qui fesse, hein? OK, on sortira le Red Bull bientôt. Il y a d'autres choses, là. C'est pas fini, là. Regardez-moi ça. Ne manquez pas la sortie de l'album Jamais trop tôt à l'été 2017. Hein? Grâce au Festival international de la chanson de Granby et du réseau national des galas de la chanson, 12 interprètes auront la chance de revenir à Granby pour travailler avec des professionnels en studio dans le but d'enregistrer le troisième album de Jamais trop tôt. L'album sera distribué gratuitement via la plateforme Bandcamp. D'ailleurs, L'été qui recommence, l'une des chansons du premier album de Jamais trop tôt, a beaucoup tourné sur les ondes de Rouge FM et a même été classée numéro un succès de la semaine à la disque. Hein? Donc, vous comprenez, les jeunes, que ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous faites là, c'est exceptionnel. Il y a bien des jeunes qui aimeraient ça d'être à votre place. Fait que, profitez-en. Oh, c'est incroyable. Mais c'est vrai, on est là à parler de déprime. C'est déprimant. On est chanceux de faire ça. On devrait parler de motivation, de détermination, de confiance en soi. Qui veut faire une chanson là-dessus? Moi. Tu te lever, accomplir toute ta destinée. C'était jour nouveau, une seconde chance. C'est à toi d'en faire la différence. Chacun ses idées et chacun ses défauts. Si la trouver, c'est pas de tout repos. La confiance en soi nous pointe le bon chemin. C'est à nous de choisir notre destin. Il suffit d'avancer, jamais reculer. On va se relever. De bon gré, montrer ce que c'est, la puissance de l'espoir, du savoir et de la volonté. Je sais que c'est difficile, il n'y a rien de facile. Faut s'y mettre, travailler. Et surtout, jamais laisser tomber. Confiance, avance. Fonce avec persévérance. Confiance, avance. Au travers des saisons, tu
te sens si petit, mais tu touches les étoiles. Laisse les vents qui ne dévoilent. C'est à nous de bouger, c'est à nous de choisir. Tu peux t'en sortir. Faut s'y mettre, travailler et surtout toujours se relever. Confiance, avance, fonce avec persévérance. Je serai là. Wow! C'était vraiment beau. Comment? Moi, je pensais mettre une belle robe noire avec des talons hauts. Moi aussi, une robe courte, les cheveux remontés et un smokey eye.
Oh, moi, j'ai amené ma robe de bain. Faudrait que je la mette plus qu'une fois, là. Et on les filles, vous n'êtes pas obligées de vous habiller chic, là. Un jean, c'est bien parfait. Arc! On ferait jamais un show en jeans. Hey! Yeah. Les apparences, on en a fait une dépendance. Nous donne-t-elle réellement confiance? Franchement, on s'en balance. Plonger dans le noir pour une fois, ignorons notre miroir. Développons nos autres sens. Et nos différences, hey! Pareil tout n'est pas être. Et ça nous passe 10 pieds par-dessus la tête, ouais! On se tourmente, on s'entête. Mais on a seulement l'air belle, ouais! À admirer les yeux fermés, découvrir étant une nouvelle réalité. Les différences à célébrer, se battre pour notre diversité. Si on apprenait à admirer les yeux fermés, découvrir étant une nouvelle réalité. Les différences à célébrer, se battre pour notre diversité. Si on apprenait à admirer les yeux fermés, découvrir étant une nouvelle réalité. Les différences à célébrer, se battre pour notre diversité. Si on apprenait à admirer les yeux fermés, découvrirait-on une nouvelle réalité? Se battre pour en être maître, sur nos épaules, pour mettre une tête. Hey! Pareil, tout n'est pas un, et ça nous passe 10 pieds par-dessus la tête. On se tourmente, on s'entête, mais on a seulement l'air belle. Ouais!
Il me semble bizarre qu'Adrienne et Isabelle ne soient pas arrivées. Ouais, moi, je suis un peu inquiète. OK, OK. On stresse pas, groupe. Juliette est présentement au téléphone avec le festival. Je suis sûre qu'Isabelle et Adrienne vont arriver bientôt. OK, OK. Pas de stress, tout le monde. Isabelle et Adrienne, on n'en a pas de besoin. On va le monter toute seule, notre show. Ouais! On va faire un show à notre image qui nous ressemble. On a nommé des thèmes tantôt qu'on voudrait parler. La guerre, la politique, l'adolescence. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous voudriez aborder? Moi, là, j'aimerais parler d'amour. Et d'amitié aussi. Moi, je pense qu'on devrait parler de notre planète. Mine de rien, on est en train de la détruire. Ça a l'air que d'ici 20 ans, si on fait rien, on n'en aura plus. Mais il n'est pas trop tard. On peut encore changer les choses pour les générations à venir. Je dois couler comme de l'âge.
L'incertitude me retient, je prends mon coucou, 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 coucou. Yeah. À demain. Dans ma tête, tout que je suis envahi, je veux trouver une sortie. L'incertitude me retient, je prends mon coup, 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 courage. À demain, à demain, à demain. Ça bat, là, hein, les boys? Hein, je vois que vous avez la crouse dans l'œil, hein, les petites filles. Hey, la petite brune du Manitoba, ça Boniface, la grande de l'Ontario, on pensait qu'Ontarien, mais finalement, Ontarois. Les boys, si vous voulez un conseil d'un gars qui connaît ça, obligé d'en refuser dans ma vie, moi. Non, mais quand tu veux avoir une femme, là, c'est comme le hockey, OK? Plus tu pratiques, mieux que c'est. La crouse, c'est comme des patins. Faut que ça soit aiguisé. OK, les boys, êtes-vous prêts? Ouais. Let's go, les boys, êtes-vous prêts? Ouais. Go, 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 go! Let's go, les boys, let's go, let's go! Notre rendez-vous est une mise à jeu. Je reste tout, les yeux dans les yeux. Dès le premier mot, la partie lancée. Je connais ton numéro, t'es pas chanceux. Je patine pour toi, je patine pour toi, je patine pour toi. Oh oh oh, je patine pour toi, je patine pour toi, je patine pour toi. Hey hey hey. Je déjoue la gêne, défie les défenses. Je m'approche du but, je monte en méfiance. Je m'enfarge dans les mots, je crée les hors-jeux. Une phrase de trop, double sens douteux. Je patine pour toi, je patine pour toi, je patine pour toi. Oh oh oh, je patine pour toi, je patine pour toi, je patine pour toi. Hey hey hey. Je reprends le disque et patine plus vite. Mes mots t'ont marqué, c'est une réussite. Je remonte dans l'estime, c'est l'égalité. Je reprends ma ligne, j'espère te gagner. Je patine pour toi, je patine pour toi, je patine pour toi. Oh oh oh, je patine pour toi, je patine pour toi, je patine pour toi. Hey hey hey, je patine pour toi. Je patine pour toi, je patine pour toi, je patine pour toi. Oh oh oh, je patine pour toi, je patine pour toi, je patine pour toi. Hey hey hey, je patine pour toi, je patine pour toi, je patine pour toi. Oh oh oh, je patine pour toi, je patine pour toi, je patine pour toi. Hey hey hey.
matin, punché à l'usine, seul à mon poste, comme dans mon lit. 4 heures arrivent, que je sorte d'ici, que j'aille prendre une bière à la taverne, aller rêver au creux d'une bouteille. Je pourrais dormir au creux de tes bras. Chaque fois qu'elle passe, je remplis son verre, je lance un sourire et qu'elle me rend parfois. Elle est tellement belle, son sourire me fend de moi. J'suis en bas de l'échelle et semble tellement heureuse, heureuse. Fidèle au poste, fidèle au fort, oublier ma peine en noyant celle des autres. Le sourire aux lèvres, malgré tout le reste. Que 4 heures arrivent, qui passent prendre une bière, qui rend mon sourire un peu plus vrai. Chaque fois qu'elle passe, je remplis son verre, je lance un sourire. Qu'il me rend parfois. Il est tellement gentil, son sourire me fende, mais j'ai quelqu'un qui m'attend à la maison, qui parfois me rend joyeux. Tellement belle, son sourire me fend. Moi je t'en bats de l'échelle et semble tellement heureuse, heureuse. Il est tellement gentil, son sourire me fend. Mais j'ai quelqu'un qui m'attend à la maison, qui parfois me rend joyeux. On pourrait se rendre heureux. On pourrait se rendre heureux. Jeux et stratégies s'entremêlent dans la vie, et tous les coups sont permis. Ne te fie donc pas aux apparences, même l'amour fait partie de la danse. Un duel perpétuel, comment aimer lorsqu'il faut tirer des ficelles? Vois cela comme un grand jeu d'échecs. Si tu ne sais pas jouer, pas la peine de commencer. Est-ce la chose à faire que d'avancer un pion? Est-ce vraiment ce qu'il y a de mieux au fond? Protège ton cœur et sa fragilité. Surtout prends garde à ne pas le faire voler. Car jeux et stratégies s'entremêlent dans la vie, et tous les coups sont permis. Ne te fie donc pas aux apparences, même l'amour fait partie de la danse. Et voilà que le fou embarque, le désir et la passion détraquent. Cet homme avec un visage d'ange est en fait un ange Lucifer. Ce n'est qu'une fois qu'il a détruit tes barrières qu'il te regardera le nez en l'air. Tu n'aurais pas dû replier tes défenses, tu aurais dû te méfier des apparences. Jeux et stratégies s'entremêlent dans la vie, et tous les coups sont permis. Ne te fie donc pas
aux apparences. Même l'amour fait partie de la danse. Fait partie de la danse. Échec et mat, la défaite est immédiate. Frisson dans le dos, tu es tombé dans ses pattes. Échec et mat, la défaite est immédiate. Frisson dans le dos, tu es tombé dans ses pattes. Échec et mat, la défaite est immédiate. Frisson dans le dos, tu es tombé dans ses pattes. Échec et mat, la défaite est immédiate. Frisson dans le dos, tu es tombé dans ses pattes. J'imagine que tu comprendras. Je vois la croisée des chemins de tout ce qu'on ne se dit pas. Je sais que tu le regrettes. Je regrette d'avoir reculé. Notre relation porte une dette. On ne peut plus pardonner. Le vacuum s'étouffe. L'amour. On parle toujours de l'amour entre deux amoureux, mais qu'en est-il de l'amour entre pour la musique, pour la nature,
pour nos parents et pour la famille. Malheureusement, on s'en rend seulement compte quand on commence à les perdre. Je suis une femme dont les souvenirs de son père se sont envolés dans les airs, tel un papillon. Ta mémoire et tous tes moments de gloire, et moi je vois du noir, mais je m'accroche à l'espoir. Reviens vers moi, je me revois dans tes bras, une arme sur ma joue. Je te dis celui qui m'a poussé vers l'avant. Reviens vers moi, je me revois dans tes bras. Reviens vers moi, je me revois dans tes bras. Reviens vers moi. Attention, on a un petit problème technique, inquiétez-vous pas. Frank Adjo et Sulika. Hey, là, je me sens comme Johnny Cash, The Man in Black. Inquiétez-vous pas, ça doit être un breaker. Hein, je pense pas que c'est brûlé. Burn, burn, burn. The Ring of Fire. The Ring of Fire. Je me souviens de notre première rencontre avec moi. Tu voulais valser, ta robe dansait et ton visage chantait. Ce jour-là, je ne pourrai jamais l'oublier. Mais tu ne te reconnais plus dans le miroir, souvent confusé, étonné de me voir. Je veux sortir nos souvenirs de l'armoire pour éviter de perdre notre amour dans le noir. Nous dansons maintenant dans notre salon, mais tu as oublié. Je t'ai dans
tellement confuse et étonnée de me voir. Je veux sortir nos souvenirs de l'armoire pour éviter de perdre notre amour dans le noir. Mais moi je n'oublierai jamais la belle musique qui résonnait dans les fissures de notre maison, que t'as écrit pour notre garçon. Mais tu ne te reconnais plus dans le miroir, souvent confuse et étonnée de me voir. Je veux sortir nos souvenirs de l'armoire pour éviter de perdre notre amour, notre amour dans le noir. Bonjour à toi cancer, viens t'asseoir un instant, je vais te faire regretter sûrement. Regretter toutes les vies que tu as volées, tu dévalises tes familles, démolis l'espoir. Arrête de te régaler par la souffrance. Arrête de t'en prendre au monde avec insistance. Dis-moi, ça te plaît? Tu es pire que le plus horrible des méfaits. Pendant qu'ils t'affrontent, tu te croises les doigts riant de bon cœur. Regarder avec fierté ses enfants bien-aimés.
courage et la force sont la clé. Vaincre un ennemi comme lui prouve qu'il n'est pas si puissant. Au nom du monde entier, il est temps que tu ne reviennes jamais. J'ai le piton incroyable. Bon, on a retrouvé la lumière. Hey, écoute. Hey, les jeunes! Les jeunes! On est-tu pas chanceux d'avoir Hydro-Québec pour nous appuyer? Hein? Hein, des jeunes allumés, puis Hydro-Québec qui les éclaire. C'est pas croyable. Il y a une grande artiste de l'île du Prince-Édouard. Ben, quand je dis grande, de 5 pieds 2. Angèle Arsenault qui disait « Si mon histoire est triste, ce n'est pas de votre faute. » Mais soyons des artistes, écrivons-en une autre. Eh bien, voilà exactement ce que ces jeunes-là font présentement. Hein, des jeunes qui ont les mêmes ambitions, les mêmes envies, les mêmes désirs, qui se rencontrent ici pour la première fois, pour certains d'entre eux, puis que là, ils vont garder contact, ils sont tous dans le même bateau. Puis on sait c'est quoi être dans un bateau. En tout cas, nous autres, les Acadiens, on sait c'est quoi être dans un bateau. On a été déportés, on s'est serré les coudes, puis on est sortis plus fort. Puis c'est exactement ce qui va arriver à ces jeunes-là. Hein? Aïe, 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 donc, Caroline, quoi ça sort? Ah! Je vous niaise, c'est pas des vrais. Ces jeunes-là ont tout l'avenir devant eux autres, hein? Jamais trop tôt. Oh, oh, oh que non! Mon ciel est radieux, je suis heureuse. Mon cœur est un été qui veut chanter. J'ai un grand feu de joie dans les yeux. Une brise me pousse vers la liberté. Mais l'obscurité fait surface, mes larmes tombent comme des feuilles d'automne. Mon esprit tenace part à la chasse des nuages des idées monotones. Le temps passe et j'avance. Tremblement de terre dans mes artères. Je veux m'en aller afin de tout calmer. Sortir de cet enfer pour voir la lumière. Le temps passe, ouh, et j'avance, ouh, je m'élance, ouh, une nouvelle vie commence. J'accueille le printemps avec confiance. Ses puissants rayons qui me consolent sont comme une eau de grande délivrance. Je déploie mes ailes. J'accueille le printemps avec confiance. Ses puissants rayons qui me consolent sont comme une eau d'une grande délivrance.
Chanson et ma voix sont assis, ce n'est pas parfait. Un départ n'est qu'un au revoir, comme des souvenirs gravés à jamais. Je fais le vide, je prends des forces, je deviens autonome. Quand je lis mes livres, plongé dans mon propre monde, trouver la force de laisser partir la peur. Quand je me sens seule dans ma noirceur, cette pensée pour mes amis qui vivent à distance. Quand je sens que la perte m'envahit, l'art du silence et de la persévérance, c'est l'art de se créer des souvenirs d'amis. Toutes mes pensées, j'aime penser au bon moment de l'été, au soleil qui éclaire notre univers, au câlin pour m'aider dans mon intensité, comme les oiseaux qui chantent. La musique c'est ma joie, la suite est sans importance. Voici ma chanson, elle est devenue ma voix. Ma chanson est ma voix. Si ce n'est pas parfait, un départ n'est qu'un au revoir, comme des souvenirs faits à jamais. Ma chanson est ma voix. So what? Si ce n'est pas parfait, un départ n'est qu'un au revoir, comme des souvenirs vivés à jamais. Un départ n'est qu'un au revoir, comme des souvenirs gravés à jamais. Thank you.
Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, des jeunes âgés entre 14 et 17 ans qui ont monté un spectacle en 5 jours, jamais trop tôt. Félicitations, mon nom est Luc Leblanc. Et un gros merci à nos musiciens, Sylvain Plante à la batterie, Jean-François Lemieux à la basse et la contrebasse, Martin Lisotte au clavier, Jean-Luc Huet aux guitares, Marc Papillon-Ferland, directeur musical, violon, clavier, guitare et arrangement. Merci à toute l'équipe derrière le spectacle. Marie-Pierre Lacoste, assistante à la chargée de projet, et Charlotte Prenot, chargée de projet. Félicitations à vous deux. Et finalement, on a trouvé notre mentorat vocal et notre directrice artistique et mise en scène. Ils sont bel et bien ici. Isabelle Côté, Andréane A. Palette. Ils ont fait un travail incroyable. C'est beau, les filles. C'est beau. Félicitations. À la technique, Yvan Fréchette, directeur de production, Jean-François Couture aux éclairages, Sylvain Gay, sonorisateur de salle, Pierre Fort Junior, sonorisateur scène, Stéphane Burel, adjoint sonorisateur, Stéphanie Raymond, régisseur hors pair, Jean-François Dubois, régisseur aux instruments, Sylvestre Pilon, assistant technique. Et ce soir, vous avez pu voir et entendre... Arnaud Guétalémar, Grimbay, Québec. Marianne Malière, Drummondville, Québec. Benjamin Duval, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec. Ariane Cassie, Saint-Jean-Nouveau-Brunswick. Anna Marion, Sudbury, Ontario. Alexandra Duguay, Chipagan-Nouveau-Brunswick. Emily Adams, Pomnico-Ouest, Nouvelle-Écosse. Alyssa Blanc, Vancouver, Colombie-Britannique. Lucas Obonswin, Cochrane, Ontario. Whitney Otis, Matthijs, Ontario. Chloé Arsenault, Évangeline, Île-du-Prince-Édouard. Gaëlle Mudéry, Ottawa, Ontario. Marianne Bérubé, Beaumont, Alberta. Solange Roy, Winnipeg, Manitoba. Alice Alicier de Montagne, Québec. Sarah-Ève Tremblay, Saint-Félicien, Québec. Élise Côté, Grande-Vallée, Québec. Mégane Jobin, Québec, Québec. Julien Charbonneau, Montréal, Québec. Juliette Beau, Saint-Hubert, Québec. Soleil Leclerc, Gravelbourg, Saskatchewan. Camille Morissette, Saint-Hubert, Québec. Yasmine Bédard, Blainville, Québec. Marie-Jeanne Fontaine, Waterloo, Québec. Si je ne peux pas rêver plus loin, je refuse de grandir. Si je dois vivre enfermé dans les poils, je refuse de grandir. Si je dois toujours faire plus de sous, je refuse de grandir. Si je regarde chaque soir la télé jusqu'à tard dans la nuit, si j'ai que seulement pour acheter la saloperie. Si l'on doit tous se ressembler, je refuse de grandir. Convertir, globaliser, je refuse de grandir. Si je ne peux plus chanter pour rien, si on me dit que je peux rien y faire, je refuse de grandir. Autour de moi, les gens deviennent ce qu'ils ont voulu fuir. Si cette vie devient la mienne ensemble. Si j'ai peur de l'indépendance, je refuse de grandir. Si je dois une espérance, je refuse de grandir.
contrôle un peu partout entre les portes. Si je dois cautionner un système qui soutient, qui répand la haine, et si la paix n'est pas humaine, moi je refuse de grandir. Ouais. Na 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 na. Yeah.